Salut à tous et bienvenue dans le studio 3S. C'est une petite surprise pour vous aujourd'hui. Malheureusement, Stéphanie a eu un empêchement et donc je la remplace au pied levé, comme on dit, avec une thématique aujourd'hui qui m'est chère. Ce sont des exercices issus du judo, la discipline que j'ai pratiquée pour une bonne partie de ma vie, avec évidemment une complémentarité avec tous les exercices qu'on pratique habituellement avec Stéphanie, c'est-à-dire du renforcement musculaire. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera une thématique avec du judo, un peu plus accentuée qu'habituellement, mais il y a des exercices que vous faites déjà, vous avez déjà pratiqué ici dans le studio 3S. Voilà, donc nous sommes lundi, je crois que c'est le 4 ou le 5 mai déjà, je crois que c'est le 4. Voilà, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la séance step de dimanche hier s'est bien passée, pas trop de courbatures. On va démarrer par des exercices de mobilité, d'abord du stretching évidemment comme on le fait habituellement. Si vous avez une chaise, prenez une chaise, ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Et sinon, vous faites ces étirements au sol. Voilà, on va démarrer sur la fameuse chaise que je vais récupérer ici. Voilà, on va se mettre sur le côté. Ici, si vous avez une chaise, un tabouret, un canapé, n'hésitez pas à vous mettre sur cette posture-là. On va se mettre de façon latérale pour l'instant, ici avec la petite bascule du bassin. Et on va venir ici tester mon amplitude articulaire du matin, latéralement, dans un premier temps. On reste sur cette posture. On redresse. On inspire bien et on va passer ensuite sur le côté ici avec, toujours pareil, les étirements des fameux ischio-jambiers avant de démarrer le programme. Programme à dominante judo, je vous expliquerai un petit peu les attitudes, les postures, l'agilité. Le judo, c'est l'agilité, la disponibilité, l'adaptabilité qui sont trois composantes dominantes de cette discipline qui n'est pas facile à pratiquer, mais qu'on peut adapter sur une séance de fitness, et ça fonctionne très très bien. On va positionner maintenant la jambe fléchie. Ici, on va descendre comme on a l'habitude de le faire sur l'avant, avec la petite fente sur l'assise de la chaise. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit enroulement du dos, parce que c'est important de relâcher le dos avant cette fameuse séance qui est particulière. Et là on descend doucement vers le bas avec les mains sur l'assise de la chaise. Voilà, pour bien relâcher toute la partie postérieure qui va être sollicitée tout à l'heure au travers des exercices. Et là je descends doucement, je relâche, je viens fléchir ensuite pour redresser le bassin, et on va passer sur la jambe opposée maintenant. Voilà, on se met sur le côté latéralement et on vient ici étirer toute la partie latérale. Voilà, rechercher une belle petite amplitude le matin. Voilà, sans forcer, c'est juste le poids du corps, le poids du bras qui vient ici étirer le reste du haut du corps. Et on relâche, on inspire bien et ensuite on passe sur la position dans l'axe, jambes tendues pour l'instant. On relâche et maintenant on vient jambes fléchies cette fois-ci, voilà, sur l'avant de la chaise, de l'assise de la chaise. Et on vient étirer cette partie au niveau des adducteurs. Voilà, on va ensuite étirer un petit peu les épaules. Ça ne fera pas de mal parce que tout à l'heure, on va bien mobiliser les épaules, vous verrez. Et on vient ici, comme à l'accoutumée, sur le côté, la main à 45 degrés, le bras à 45 degrés au-dessus. Voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre.
Et on relâche à nouveau. On va mobiliser les cervicales parce que vous verrez, il y aura un travail de chute de boussole où vous apprendrez à descendre sur la position assise ou allongée à partir d'une position debout sans utiliser les mains, sans utiliser les bras. Allez, on mobilise cette partie articulaire. Et maintenant, on va se mettre debout. Je vais ranger ma petite chaise au bon endroit. Alors, maintenant, on va remobiliser la partie articulaire, cette fois-ci sur une jambe, les yeux ouverts. Et vous allez commencer à lutter contre le déséquilibre ici. Voilà, ça fait partie des exercices de proprioception, d'équilibre. Quoi qu'il arrive, en judo, je peux vous dire que nous sommes souvent dans des positions un peu compliquées et cette stabilité nous permet de reprendre l'initiative dans des positions qui sont inférieures ou compliquées pour nous. On change de jambe maintenant. Vous faites le petit test, les yeux ouverts, tout en essayant de garder l'équilibre sur une jambe. Voilà, on fait des petites rotations tout doux. Et voyez que là, on sollicite énormément la cheville, le genou, la jambe, la cuisse et puis l'oreille interne, évidemment, dans ces exercices de déséquilibre. Voilà, volontairement, on se met en difficulté pour bien sentir nos limites qui, évidemment, ne sont pas figées. Donc il faut aller toujours rechercher cette fameuse difficulté. Maintenant, on va faire un petit exercice qui est très simple. Vous allez vous asseoir, rouler sur le côté et ensuite tenter de vous relever. On va d'abord faire la position debout, assis. Donc je vais me positionner avec une jambe avant, une jambe arrière. Ici, où je vais poser le genou. Voilà. Et ensuite, je vais venir rouler sur les fesses. D'accord ? Donc je me relève. Je me mets en position, une jambe avant, une jambe arrière. Je pose le genou ici et sans utiliser les mains, je vais tout simplement venir au sol. Vous essayez, je fais avec vous. On va faire 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Donc je pose le genou, je viens m'asseoir sur la jambe fléchie et là je roule tout doucement sur le côté sans utiliser les bras. Allez, deuxième, je pose le genou, je m'assois. Et je roule sur mon tapis. J'espère que vous avez un tapis, sinon vous mettez deux serviettes. Troisième, genou au sol, je m'assois et je roule. Quatrième, alors il faut se relever à chaque fois évidemment. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on se relève sans les mains. Allez, on pose le genou, on s'assoit sur le côté et puis on essaye de se relever. Cinquième, pareil, à genoux, je m'assois et là, je me relève avec les mains pour l'instant. Voilà, on va passer de l'autre côté. On inverse les rôles. On pose le genou. On s'assoit en arrière de la jambe fléchie. Et ici, on vient se relever. 1. 2. 3. 4. Et 5. Voilà, ça c'est la base de la position de boussole. Alors c'est pas la base du judo, j'ai adapté volontairement cet exercice avec une descente progressive et puis ensuite une assise, jambe fléchie, parce que normalement sur une chute en judo ça donne ça ici sur le côté, mais il faut contrôler les cervicales, donc je ne suis pas avec vous et je ne veux pas qu'il y ait un accident. On va faire la même chose avec des relevés sans les mains cette fois-ci. C'est exactement le même principe. Donc on se met ici, un genou au sol, on roule sans les mains. Là, et là on va venir à nouveau mettre une jambe à l'intérieur du creux poplité de la jambe tendue. Et on va venir ici, tout simplement, se relever sans les mains. On essaye, donc on descend, on roule ici sur le côté, sur la fesse, on garde le
La jambe fléchit et on se relève sans les mains. Ça fait deux fois. Maintenant, on va passer à la troisième. Ici, là. Et là, vous pouvez faire un quart de tour si vous voulez. Et dans tous les cas, on se relève sans difficulté. 5. Ok, on passe de l'autre côté. Ça sert d'échauffement en même temps. Mobilité, agilité, disponibilité. Et là, on fait pareil. On descend. On fléchit la jambe d'appui. Et on se relève là sans les mains. Allez, 2. Ici. Là. 3. Quatre. Et cinq. Et voilà. Donc là, on est bien calé. On est bien en confiance pour la suite de la séance. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous savez, vous relevez et allez au sol sans vous faire mal, sachant qu'il faut toujours garder ce contrôle de la nuque. Donc lorsque vous allez au sol, ici, il faut toujours garder ce contact menton-poitrine ici pour pas que la tête aille frapper le sol. Et là, on se relève tranquillement, toujours avec le menton collé à la poitrine. C'est votre gage de sécurité. Vous me ferez vos petits commentaires tout à l'heure pour savoir si vous y êtes arrivé ou pas. Et je regarderai évidemment vos résultats. Voilà, donc on va passer sur carrément les exercices de la séance, avec certains exercices que vous connaissez, d'autres un petit peu moins, d'autres qui vont se passer sur le tapis. Donc ça va être des exercices de mobilité, rétablissement, toujours agilité, disponibilité. Faites ce que vous pouvez, mais en tout cas, ça sera une belle entrée en matière sur vos capacités à gérer des situations un petit peu parfois compliquées. On est toujours sur le travail de équilibre, proprioception, et mobilité en même temps du haut et du bas. Rappelez-vous de l'exercice qu'on avait travaillé ici. Voilà, celui-là, travail d'elliptique. Voilà. En judo, ça s'appelle osotogari, grand fauchage extérieur. Donc ça permet, sur une séance de fitness, comme on le fait, cross-training plutôt, comme on le fait dans le studio 3S, d'avoir un exercice qui est très complet, que vous verrez nulle part ailleurs, parce que ça mobilise la coordination, le renforcement musculaire, l'équilibre, et puis aussi la proprioception au niveau de la jambe d'appui. On va démarrer avec une variante un petit peu différente, cette fois-ci, où on va aller chercher jambe fléchie et jambe tendue, ici, là. Je tends la jambe en avant, toujours avec l'opposition des bras, là, 3, 4, c'est à vous, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va passer à la jambe opposée. Maintenant, on se met sur l'autre jambe d'appui. Toujours pareil, on essaye de se régler au départ avec cette jambe et bras en opposition. Et là, on va venir, pareil, aller chercher loin pour venir ensuite finir en jambe tendue. 2. 3. Vous voyez qu'il y a le bassin aussi qui vient chercher. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On stabilise à la fin et on relâche. Voilà pour ce premier mouvement de judo qui s'appelle Osotogari, grand fauchage extérieur. Très complet comme exercice. On n'a pas besoin d'une tenue de judoki pour faire ça. On a vu le travail de relevé, chute au sol, relevé sans les mains, disponibilité. Et là, on va faire un exercice au sol. Ça sera toujours des trios d'exercices avec un travail debout, un travail plus axé sur la ceinture abdominale et un autre exercice plus axé sur la mobilité, mais cette fois-ci au sol. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui étaient présent sur les séances précédentes, nous avions un exercice ici de mobilité en position de planche où on venait s'asseoir sur le côté, là et là. Voilà, donc on se met en position planche, deux appuis sur les mains,
deux appuis sur les pieds. Si c'est trop compliqué pour vous d'être dans cette position, vous pouvez poser les genoux au sol et ça fonctionne très bien. Là, je viens m'asseoir. Je ramène la jambe qui est à l'extérieur par l'intérieur. Je repose les genoux et je change carrément de jambe. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça va être à vous. Allez, doucement. 1, on passe par la position gainage. 2, 3, on aligne bien le bassin en serrant les fesses. 4, on aligne le bassin. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez qu'il y a un vrai travail de posture, gainage et en même temps de mobilité. C'est un mouvement qui est très complet. Proprioception du haut, proprioception du bas, gainage sur la ceinture abdominale. Donc tout est dedans, sans problème. On va passer maintenant à un travail de coordination sur les jambes. Hop là, voilà. Rappelez-vous les petits mouvements latéraux qu'on faisait avec les bras en haut, ici. Donc on va commencer par cet exercice-là. Donc on va faire le petit pas chassé sur le côté. Et à chaque fois qu'on va aller sur une jambe, on va monter les bras. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est à vous. 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant on relâche, on va fléchir les bras. Maintenant à 90 degrés ici. Comme si on tenait un partenaire par le col. Et on va faire la même chose. Donc ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on l'accompagne. 8, 9 et 10. Maintenant, on va complexifier à nouveau l'exercice. On va faire des ronds de jambes. C'est le cas de le dire. Sur l'avant, quand on va ramener, on va faire un petit rond ici avec le bassin et la jambe. Donc ça donne ça. Jambes tendues et on ramène. 2, 3, 4, 5, 6, on fléchit, le bassin de travail, 7, 8, faites un bel arc de cercle comme ça, 9 et 10. Ok, on relâche un petit peu, on va recommencer cet exercice pour bien se l'approprier, toujours en allant chercher avec le talon dans un premier temps, jambes tendues et faisant cet arc de cercle, un cercle parfait avec la jambe qui est tendue comme un compas en fait pour en réalité récupérer la jambe de l'adversaire et venir ensuite le projeter au sol. Donc c'est ça l'intention. Alors j'avais prévu des petites vidéos pour vous montrer, mais ça prendrait trop de temps pour vous montrer la réalité des choses en fait, qui est un peu différente. Et on est là sur du renforcement, donc il n'y a pas de judo à proprement parler. Donc on y va, on refait cet exercice là toujours avec cette bascule droite, gauche, on met le poids du corps une fois à droite, une fois à gauche, ici. Voilà, on se met en position. Et là, on va venir faire cet arc de cercle à un équilibre sur la jambe. On repart de l'autre côté, le poids du corps change de jambe. Et on repart à nouveau, ici. Et là. Et là. Et là. Vous voyez que c'est rythmé, c'est coordonné. Et en même temps, ça permet de travailler cette fameuse disponibilité, la posture. Et ici, 6, 7, 8, 9 et 10, sans creuser le dos. On garde toujours une posture non cambrée, décambrée, vous le dites comme vous voulez. Mais c'est toujours gainé. Alors, on va passer sur un travail, mobilité au sol. On va passer d'une position ventrale à une position dorsale. Et pour ça, il va falloir faire travailler les petits muscles et en même temps les muscles fixateurs pour changer de position. Donc vous allez être capable, dans une position par exemple ventrale, ici, de venir passer sur la position dorsale sans les mains. Et là, vous allez faire un petit travail jambes-bras. Revenir ici, un petit travail jambes-bras et à nouveau revenir de l'autre côté ici pour faire ce petit travail.
Donc tout ce changement de direction part évidemment de la ceinture abdominale pelvienne et permet de se rétablir d'un côté ou de l'autre. Vous essayez sur une position bien tendue en évitant de toucher le sol avec les mains et avec les jambes et vous rétablir une fois sur le dos et une fois sur les jambes. Je vais faire avec vous. Je me mets au milieu, je vais aller une fois à droite et une fois à gauche. Donc on est ici, là. Vous voyez qu'il y a la tête aussi qui travaille, là. Et je reviens à nouveau avec le regard qui suffit pour changer de position et également le bassin. Et là, et je reviens, 1, 2 et 3. Je reviens sur le ventre, ici, 1, 2, 3. Et je reviens à nouveau sur le dos. 1, 2 et 3. On relâche. Bien. Alors c'est un petit peu compliqué. Au début, on s'aide un peu avec les bras, les mains et peut-être les jambes. Mais c'est un exercice très très intéressant sur votre capacité à changer de direction. Et aussi évidemment sur la posture et l'agilité. Donc on a fait dos-ventre. Et maintenant, on va faire encore un exercice à nouveau d'agilité, ici où on va travailler sur le côté et ramener le bassin une fois à droite, ici, avec la jambe à l'extérieur, et une fois à gauche, ici, avec la jambe à l'extérieur. Vous voyez que la jambe vient, les deux jambes viennent relever le bassin, et on va passer la jambe en dessous, ici, pour se repositionner face au danger. On revient sur le dos. On relève le bassin, on relève la jambe qui vient ici, dessous, et on se met sur le côté sans toucher le bassin au sol. Là, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va le faire sur 10 répétitions, une fois à droite, une fois à gauche. Première action, je relève le bassin. Deuxième action, je libère une jambe qui va venir à l'intérieur et passer sur le côté, et là je me retrouve pratiquement de face. Deuxième sur le côté opposé, je relève le bassin, je passe en dessous, je me retrouve sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Alors j'espère que vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Quel que soit l'âge, à partir du moment où on a bien compris le schéma biomécanique, ça doit fonctionner. Mais on le refera encore une fois tout à l'heure. On va passer maintenant sur les jambes avec une position à nouveau unipodale, c'est-à-dire sur une jambe. Et on va venir ici, chasser la jambe vers l'arrière et rester sur cette position en travaillant sur la dernière partie du mouvement ici. Là, 2, 3, 4 et 5. Le danger dans cette position, c'est de travailler uniquement avec les lombaires. Donc on est toujours sur cette constante de déverrouiller le bassin pour éviter de cambrer le bas du dos. Donc on n'est pas en extension ici au niveau du dos, au niveau de la partie lombaire. Au contraire, on contrôle bien la partie lombaire qui est verrouillée, plutôt vers le bas. Et par contre, on travaille ischio-jambier et fessier sur la fin du mouvement. C'est-à-dire qu'on profite de toute l'amplitude articulaire. On va se mettre sur cette position avec les mains en croix, dans un premier temps. Donc ici, là. On va fléchir la jambe d'appui. Et là, on va venir travailler cette fin de mouvement avec la jambe qui est libre en arrière. Ok ? Allez, on va commencer. Vous choisissez jambe droite ou jambe gauche. Ici, et là, on descend et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, et on change de jambe à nouveau, on relâche le dos, et on passe de l'autre côté. Flexion, stabilité, on fixe les bras en croix, et on vient ici,
Montez et enchaînez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. Vous voyez que c'est un mouvement qui est à nouveau intéressant. On va passer ensuite sur la partie abdominale où on va venir croiser coude, genou. Donc vous allez vous mettre comme ceci, assis sur les coudes et vous allez essayer de croiser en pédalant au niveau des jambes. Donc ça donne ceci, je ramène le coude, j'essaye d'aller toucher le genou, j'inverse ici de l'autre côté et j'essaye d'aller toucher le genou. Il faut toujours avoir l'intention de se relever, sachant qu'on risque rien, on a le dos bien placé, dos plat. Et à partir de là, on travaille de façon efficace et sécurisée surtout. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va le faire deux fois celui-là pour bien gainer la partie abdominale. Sachant que je vous recommande de travailler sur la partie basse des abdominaux et pas sur la partie haute. Alors la tablette de chocolat, c'est bien. Mais la tablette de chocolat, elle vient surtout du fait qu'on a très peu de tissu adipeux sur cette partie-là. Vous pouvez très bien avoir des bons abdominaux, mais c'est caché quelque part par la masse adipeuse. Donc voilà, cet exercice permet de fondre un petit peu, mais en même temps surtout de renforcer ce gainage au niveau abdominal. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on reprendra cet exercice tout à l'heure. Donc là, on est sur la partie abdos. Maintenant, on va reprendre le travail de tout à l'heure au sol avec position sur le dos et à l'arrivée, position sur le ventre. Donc, on va sécuriser la position à l'arrivée. Rappelez-vous, on était sur cette position, relevé du bassin, placement de la jambe. Et là, maintenant, on va venir sur le côté en planche. Donc, l'objectif, c'est d'arriver en planche face au sol. On démarre dos au sol, on arrive face au sol. Donc je repars ici, là, je me mets sur le dos, relevé du bassin, et là je me mets en position de planche. J'inverse les rôles, et là maintenant je vais me mettre à nouveau sur le dos, relevé du bassin, et là je viens sur le ventre. Je me mets à nouveau sur le dos, sans toucher avec le bassin dans un premier temps, relevé, et je me retrouve de face. On se remet sur le dos, relevé du bassin. Et là, on va permuter avec les bras ici et se retrouver, vous voyez, de face, tout en sécurité, avec une planche. D'accord? Vous allez faire ça 10 fois, 5 fois à droite, 5 fois à gauche, en marquant la position de la planche à l'arrivée. Donc, on va profiter de cette position pour faire du gainage. On repart. Donc, je vais le faire à l'envers, ici, comme au début. Donc, relever, monter du bassin, je colle le coude à mon corps et là je viens passer la jambe à l'intérieur pour me retrouver en planche. 3, 4, 5, je reviens à nouveau sur la partie de départ, la position de départ, et là je relève à nouveau et je viens coller le coude à moi pour tourner et me positionner de l'autre côté. Je reviens. Allez, on monte. 3. On monte. 4. On monte, 5, on monte le bassin, 6, on monte le bassin, 7, on monte le bassin, 8, 9 et 10. Alors je suis désolé, je vous tourne le dos, mais ça fait partie de l'exercice. Vous relâchez un petit peu maintenant, vous récupérez tranquillement et on enchaîne la suite des exercices. Je regarde vos commentaires pour savoir un petit peu où vous en êtes. Pensez à boire régulièrement une petite gorgée et on reprend ensuite la suite des exercices.
Alors, on va repartir sur un mouvement de jambes de coordination que vous connaissez déjà pour celles et ceux qui font notre circuit de cross-training. Donc, rappelez-vous, demi-tour, flexion, demi-squat, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que si quelqu'un me pousse, vient vers moi, ici, là, je suis capable de maintenir la position du bras, venir tracter vers moi et le projeter ensuite vers l'avant. Donc, c'est ce mouvement-là qu'on va chercher à faire. On va le faire ici uniquement du même côté, là, toujours à faire 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche, avec toujours une arrivée, demi-squat, vertical, avec ici cette préhension théorique de la saisie du bras de l'adversaire. Donc on va se mettre dans cette position, ici, 1, et on revient chaque fois de face, 2, et on revient, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez qu'il y a un bras qui tire ici, 8, 9 et 10. On reste en demi-squat, on va passer maintenant de l'autre côté. Même chose, droite et gauche, même si vous n'êtes pas ambidextre. Allez, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Alors maintenant, on va faire reprendre le travail de relever à nouveau, assis, debout, une fois à droite, une fois à gauche. On va faire ça 10 fois, en alternant les deux côtés. Donc rappelez-vous, je descends sur la fesse, je roule, je garde mon côté de jambe et je me redresse. Je passe de l'autre côté, je roule, je mets la jambe sur le côté, je me redresse. Tout se fait sans les mains. Donc vous allez essayer de le faire sans les mains. Si vous voulez que votre dos épouse le sol en arrondi, c'est vrai que les roues carrées ne fonctionnent pas très bien. Donc il faut avoir le dos rond. Pour avoir le dos rond, c'est menton, poitrine toujours, y compris sur la chute ici. Menton, poitrine, et là on arrive à se relever facilement. On y va? Allez, allez, 1, on se relève, on passe de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, menton poitrine toujours. Allez. 6. On roule avec le dos rond. 7. 8. 9. Dernière à gauche. Et 10 ici. Voilà, tout en enroulé, tout en souplesse, tout en détente, agilité, mobilité, c'est le principe même du judo, même si ces chutes-là ne font pas partie des exercices de judo. On va passer sur maintenant un travail de déplacement latéral, ici, avec un petit travail de squat jump, ici, sur une jambe. Donc on va commencer en balayage 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire un petit saut. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la jambe extérieure, toujours dans la direction du déplacement, qui vient faire le petit saut pour venir laisser mourir la jambe avant sur le côté. 6, 7, 8, 9. Et 10, on relâche. On va faire la même chose maintenant, mais de façon un peu plus fractionnée, un peu plus intense. Attention, ça va être à vous. 3, 2, allez, 1, 2, 3, 4, saut vertical, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, et on relâche. On va passer maintenant à l'exercice suivant,
où on va reprendre l'exercice coup de main en position abdominale. Nez. Voilà, comme ça, on va venir se relever à chaque fois pour aller chercher la jambe opposée ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À chaque fois, on va aller toucher les orteils sans ramener trop la jambe. Évidemment, c'est à vous de régler votre position, mais toujours en croisée. La main droite sur la jambe gauche, la main gauche sur la jambe droite. On y va, ça va être à vous. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez que ça travaille bien au niveau de la ceinture abdominale. C'est but, donc il faut toujours travailler par contre le bas des abdominaux dans cette position. Et maintenant, on va repartir sur le fameux exercice d'agilité au sol, toujours en mobilité comme on l'a fait dans un premier temps. Ici, on va monter, positionner et ensuite enchaîner du même côté. Donc on va tourner en étoile sur la même direction. Donc on complexifie un petit peu le premier mouvement et on reste toujours du même côté. Donc ça donne ça. Je relève le bassin, je viens me positionner avec la jambe à l'intérieur ici. Et là, je continue à tourner en étoile en relevant le bassin à nouveau. Et là, j'essaye de faire un tour complet ici, ici, ici et ici. Vous essayez, je vais faire avec vous. On va faire une fois à droite, un tour complet, et une fois à gauche, un tour complet. Toujours avec ce petit mouvement d'agilité qui est un petit peu compliqué au départ, mais une fois qu'on l'a bien compris, on se sent mieux, on se sent plus en confiance et on est beaucoup plus disponible au niveau de la posture, que ce soit debout ou au sol. On démarre. Alors attention, on va partir dans le sens des aiguilles d'une montre. Relevé du bassin. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On a fait un tour, on repasse de l'autre côté. Alors, pareil, même position, on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On relève le bassin, on met la jambe ici à l'intérieur, on colle le coude, et on se retrouve en planche. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, ici. Et on relâche. Voilà le dernier, avant-dernier exercice. Maintenant, il va rester un petit mouvement 4 pattes avec le fameux Superman. On va travailler l'alignement lombaire, bras, jambes. Donc ça va se positionner comme ceci. Soit vous êtes sur les genoux, soit vous êtes sur les appuis au niveau des chevilles, des pieds. Et là, on va essayer de d'étirer jambes et bras au maximum vers l'avant. Là, 2, là, 3, là, 4, là, 5, là, 6, là, 7, là, 8, là, 9 et 10. On marque bien la position et on relâche. Je vous laisse récupérer un petit peu, boire une petite gorgée et on va faire un dernier tour avant la fin de cette séance, qui a été réalisé un petit peu au pied levé, juste pour vous faire découvrir, c'est une découverte, des exercices de mobilité, agilité, debout, au sol, issus du judo, mais qui peuvent très bien se pratiquer avec une certaine initiation, évidemment, sur des séances de fitness. Voilà, récupérez un petit peu, buvez une petite gorgée, et je vous retrouve dans une minute pour la suite et la continuité des mouvements qu'on a démarrés.
Allez, on se prépare. Je regarde si j'ai des petites modifications à faire. Voilà, non, ça a l'air de bien se passer. On va faire 4 blocs cette fois-ci, au lieu de 6, puisqu'on a fait 6 blocs. On va démarrer par le mouvement classique, maintenant, qui est classique dans ce studio 3S. Rappelez-vous, c'est ce mouvement-là, elliptique, au sautogari en judo, avec cette fois-ci un petit sauté de jambes pour celles et ceux qui connaissent bien. Soit vous le faites de façon équilibrée, comme ça, soit vous faites le petit saut ici, comme ça. D'accord ? Donc on va démarrer, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et 10. On relâche. On passe sur la deuxième jambe. Jambe opposée, bras opposés. Ici, pareil. Là, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours maintenir la position à l'arrivée. Ça veut dire que vous êtes en équilibre. Et là, maintenant, on va se enchaîner sur la position allongée debout. Attention, ça va être à vous. 3, 2, 1. Allez, on y va. Allongé. Et on se redresse le plus tôt possible. On repasse de l'autre côté. Allongé. Et on se redresse. L'autre côté. Allongé. On se redresse sans les mains. Allez, 4. 5. 6. 7. Une fois à gauche, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Là, là, on va juste toucher la fesse au sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On range le tapis. Maintenant, on va passer sur le mouvement latéral en cercle au niveau des jambes. Là, là et là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remet le tapis en place. Position ventrale, position dorsale. Une fois à droite, une fois à gauche. Je me mets bien au milieu, ici. Et on se met sur le dos. 1, 2, 3. Sur le ventre à nouveau. Et on repart de l'autre côté. Là. 1, 2, 3. Ventre à nouveau, ici. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ventre. Dos, côté opposé. 1, 2, 3, dernier. Ventre, dos, côté opposé. 1, 2, 3. Et on repart de l'autre côté pour les 3 derniers abdos. On relâche. Vous voyez que avec le temps, c'est un peu plus, c'est un peu plus facile. Maintenant, on va passer sur le dos. À nouveau, ici, toujours exercice de mobilité. Et là, on va se retrouver face au sol. On relève le bassin, ici, face au sol. On revient sur la position initiale. On relève le bassin, on va de l'autre côté, et on se retrouve face au sol. On revient sur la position initiale. Et c'est à vous, 3, 2, 1, c'est parti. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier.
10. Et on relâche. Vous voyez que ça demande quand même pas mal d'énergie. Mais c'est très intéressant. On va passer sur une jambe pour l'exercice suivant. Rappelez-vous ici, on était bras en croix. Maintenant, on va mettre main dans le dos avec une flexion de jambe ici et montée de la jambe. Ça va être à vous. 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. On cherche l'équilibre. Jambe tendue en arrière. Jambe d'appui fléchie. 3, 2, 1. C'est à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, on relâche à nouveau. Vous êtes autorisé à boire un petit peu. On va passer sur le dos. Travail abdominal. Toujours en oblique. On travaille les obliques. Le plus important sur les abdominaux, c'est les obliques. Ce n'est pas forcément la tablette de chocolat, les grands droits. Mais c'est tout ce qui est oblique. C'est pour ça que dans la salle 3S, on travaille beaucoup en oblique. Donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir chercher le genou opposé en ramenant évidemment la jambe. Attention, c'est à vous. 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Allez, 2, 3, 4, 5 pour celles qui peuvent. 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Très bien. On va passer à l'exercice suivant. Où là, on va se repositionner encore une fois sur la position dos au tapis, dos au sol ici. Et là, on va rester sur le même côté. Donc pour vous, ça va être de la répétition pour bien assimiler les choses. Ce n'est pas une fois à droite, une fois à gauche, c'est répétition. Maintenant que vous connaissez le geste, avec le maximum d'efficacité, mais aussi le maximum de répétitions. Ça va être à vous, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, on revient sur la position. 2, on revient sur la position. 3, allez, on accélère. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, on relâche. À nouveau, je vais devoir remplacer le tapis qui est en train de migrer à droite et à gauche. Et on va passer au demi-tour, demi-squat. Ici, avec une belle posture à l'arrivée, toujours du même côté. Donc on l'a fait tout à l'heure à droite. Maintenant, on va le faire à gauche. Attention, ça va être à vous. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Là. Là. Mettez les talons au sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va passer de l'autre côté. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, on accélère. 7, 8, 9 et 10. On garde la position et on relâche. On va repasser au sol cette fois-ci. Avec toujours travail des transverses, avec le fameux starfish, vous connaissez tous, évidemment, c'est pour ça que je le reprends. Allez, on se met jambes en croix, bras en croix, là, ici, on va aller chercher, cette fois-ci à l'opposé, ça va être à vous, 3, 2,
1, c'est parti, jambes tendues, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Allez, on se repositionne debout. On fait le même travail que tout à l'heure maintenant sur le dos de face, mais de l'autre côté. En répétition, en étant un peu plus rapide que tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a tourné d'un côté, revenir de face, toujours tourner du même côté. Cette fois-ci, on va inverser. On va tourner de l'autre côté. Donc si vous avez fait côté droit, vous faites côté gauche et inversement. Attention, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Toujours marquer la position de planche à l'arrivée. Il faut être prêt à toute position. Donc c'est une position d'attente. Et il ne faut pas se relâcher dans cette position. Toujours en planche, en gainage. Et toujours avec une veille, évidemment, parce que l'adversaire peut arriver sur le côté gauche ou droit, sur le dos ou de face. Donc on est disponible pour éventuellement repartir sur le dos face à l'adversaire. On récupère. Je regarde le timing. On va finir par une séance d'étirement tranquillement. Alors je vous remercie de votre attention. C'était une initiation uniquement avec des exercices à majorité mobilité, disponibilité, issus du judo. Voilà, vous voyez que c'est possible de le faire en fitness. Ça demande un peu plus d'énergie, d'implication, de coordination, de réflexion. Mais si vous avez déjà compris le sens de tous ces exercices, bien déjà, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Vous serez beaucoup plus confiant dans tous les cas, dans des situations un peu particulières ou pas, ou dans la vie professionnelle ou civile. Allez, j'en profite pour boire aussi. Je regarde toujours vos petits commentaires, s'il y en a. Alors je salue les anciennes, l'ancien judoka qui sont là, qui ont des compétences, des vraies compétences de haut niveau pour certaines et pour certains. Donc merci d'être là. À mon niveau, j'essaie d'apporter encore quelque chose sur le plan judo. Ça tient toujours un petit peu quand même la route, mais voilà, il faut l'adapter à tout le monde, c'est ça la difficulté. On est tous capables de faire du haut niveau quelque part à un moment. Et puis l'intérêt, c'est de redescendre du haut niveau pour l'adapter à tout un chacun. Donc là, c'est un début, mais c'est un programme qui pourra évoluer dans le temps. Donc Stéphanie reviendra évidemment lundi prochain. Et en ce qui me concerne, de toute façon, je vous retrouverai mercredi comme d'habitude. Je vous rappelle que les séances sont disponibles sur YouTube et gratuitement, évidemment. Et donc, nous allons continuer jusqu'au 11 mai. Date de déconfinement progressif, je dis bien progressif, tout en restant très prudent sur cette date. Mais tant qu'il y a du confinement, on va continuer ces offres de pratiques solidaires. Après, il y aura peut-être des offres un peu différentes, un peu plus professionnelles. Et pour l'instant, jusqu'au confinement, à la fin du confinement, on reste avec vous de toute façon. On va passer aux étirements, mais cette fois-ci, soit avec la serviette ou avec le tapis. Voilà, toujours sur une position demi-allongée, c'est-à-dire à genoux. Et on va enchaîner sur toujours cette fameuse fente avant pour redécouvrir notre amplitude articulaire avec cette fois-ci un déverrouillage à nouveau du bassin. Allez, c'est à vous, en place. La prochaine fois que je remplacerai Stéphanie, je mettrai une perruque. Mais je pense que vous allez de toute façon me reconnaître.
Aujourd'hui, c'était le judogi, la tenue de judo. Petit clin d'œil à tous les judokas qui malheureusement ne pourront plus ou pas reprendre leur activité classique, en tout cas pendant de nombreux mois. Parce que c'est une activité rapprochée, donc forcément avec un risque de contamination très important. La transpiration, voilà, et ces combats rapprochés, donc c'est compliqué avec le Covid de pratiquer du judo, et on le comprend. On va passer ensuite sur le côté. Ici, avec deux mains au sol, voilà, le bassin entre les deux genoux, ici, et on pousse légèrement le bassin vers l'arrière, on fléchit doucement, et on essaie de descendre un petit peu vers le bas, là, voilà. Je vous rappelle que je ne suis pas le meilleur modèle au niveau de la souplesse, donc adaptez, faites mieux que moi, parce que je ne suis pas la référence des étirements, enfin de la souplesse en tout cas. Ok, on pose le genou, ici on ne bouge pas le pied, on ramène légèrement le pied, on pousse le bassin légèrement en arrière. Voilà, comme ça, position du gorille, et là on libère le bassin dans cette posture. Voilà, on va venir ensuite avancer le bassin vers l'avant tout en allongeant une des deux jambes. Là, on va rapprocher la deuxième jambe vers soi. Et là, on va étirer à nouveau la partie antérieure, psoas, iliac, un petit peu les quadris, et aussi la partie abdominale qu'on a sollicitée. Voilà, on se positionne du côté de la jambe fléchie. On regarde de ce côté pour bien étirer la partie opposée, c'est-à-dire ma partie gauche en ce qui me concerne. Voilà, on s'allonge un petit peu, on fait le feignant. Voilà, ça fait du bien de faire le feignant de temps en temps, quand on a bien travaillé en tout cas. Et là, on inverse les rôles, ici, là. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien transpiré, malgré tout. Malgré que ce soit des exercices que je connais. Ça m'a fait bien transpirer, donc ça c'est une très bonne chose. Ok, on relâche, maintenant on va pousser le bassin vers l'arrière, hein, descendant la position, bras tendus vers l'avant. Ça va permettre de relâcher le dos et en même temps d'étirer, finir par attirer les épaules et les bras vers l'avant. Là, on peut écarter aussi les genoux pour finir d'étirer les adducteurs. Et là, on se tapit vers le tapis. On ne fait qu'un avec le sol. Et comme ça, on risque pas de se faire mal en passant sous les barbelés, dans la prairie, si le taureau nous court après, par exemple. Ok, on relâche à nouveau. Et là, on va inverser cette fois-ci. Après, un essuyage forcer du visage, on passe de l'autre côté, donc jambe tendue, une jambe fléchie, le bassin entre les deux genoux, un appui au sol évidemment, voilà, et on va chercher le sol vers l'arrière avec le bassin ici. Relâche à nouveau, on passe sur la position front avant comme tout à l'heure, et là on se met à nouveau en opposition, toujours pareil, travaillez votre respiration pendant les étirements, c'est un moment de retour au calme, et donc c'est un moment privilégié. Alors c'est actif, c'est passif en même temps, et c'est un moment privilégié pour travailler votre respiration. Donc la récupération, c'est comme tout, ça se travaille. C'est pas je ne suis pas bon en récup, je ne progresserai pas. Il y a toujours des éléments à aller chercher pour progresser. La démarche de progrès, ça a toujours été mon indicateur de sélection pour les athlètes. À part évidemment les résultats qui sont les plus importants. Mais en deux, ça a toujours été la démarche de progrès. Sachant que celui qui a une démarche de progrès dépassera toujours celui qui est doué et qui... Parfois, pas toujours, mais se repose un petit peu sur ses qualités. On relâche à nouveau.
fais souvent des interventions à l'entreprise sur la notion de talent. Alors le talent, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste une question de volonté, de démarche. Quelqu'un qui a du talent ou qui est très talentueux, ce n'est pas, pour moi, une qualité au niveau des recrutements. C'est surtout les personnes qui ont une vraie démarche, une démarche d'engagement auprès de l'entreprise, mais aussi auprès de lui-même pour une démarche de progrès. On va à nouveau mobiliser les cervicales. Alors vous pourrez essayer de retravailler cet équilibre sur une jambe en tournant la tête, toujours sur une jambe, et en essayant de garder l'équilibre, ce qui n'est pas évident. Si je fais ça sur une jambe debout, ça sera compliqué pour moi, mais avec de l'entraînement, il n'y a pas de raison. Sachez qu'avec l'âge, on perd un équilibre, donc ces exercices-là permettent aussi de le retravailler. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous ne serez pas trop déçus de ne pas avoir eu Stéphanie aujourd'hui. Je l'ai remplacée un petit peu pied levé, je vous ai fait découvrir des activités un peu différentes que vous ne verrez nulle part ailleurs dans les séances de fitness ou de cross-training. En fonction de mon expérience, mon expertise du haut niveau passé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée lundi. Et puis, de toute façon, Stéphanie sera de retour pour le yoga mercredi à 11h. Et moi, je vous retrouve évidemment à midi. Donc, à mercredi. Bonne journée à tous, à toutes et à tous.